Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce quatrième summer vlog. Très hautain comme mot. Bref, j'espère que vous allez bien. Il est presque 9h, on est bientôt sur le départ. Je suis donc, comme vous pouvez reconnaître le décor, chez Amélie, qui est présentement en train de se préparer. Et qui n'est pas réveillée. Mais personne n'est réveillé aujourd'hui, papa non C'est plus au kiné, il m'a horrible. dit je m'endormais. Donc bref, du coup, pique-nique prêt, glacière bouclée. On va décoller. Aujourd'hui, on fait plein de petites choses. Je vais pas tout vous dire parce qu'en fait, j'ai pas tout retenu parce que je ne sais pas tout. Mais on va faire beaucoup de choses différentes. On vous les expliquera au fur et à mesure qu'on y sera. On part dans le lotoir toute la journée et aujourd'hui, c'est pas pique-nique midi et tranquille à la maison le soir, c'est pique-nique midi et soir. Voilà. Et en rentrant ce soir, s'il n'est pas trop tard, il va falloir que je trouve la force pour faire les sablés bretons et la quiche pour le pique-nique de demain. Bref, bienvenue dans ce nouveau jour de vlog. Ah bah Amélie, en plus on te voit. C'est dommage parce qu'il a plein de véhicules, ce serait très intéressant si on les exposait. En fait, on vous reprend, je sais même pas c'est l'heure quoi, c'est 10h. Il est 10h30. Et on voulait aller faire le musée de la résistance, on est tombé sur un truc. On n'est même pas rentré. Moi en fait, c'était tout petit et genre. C'est dommage, il y avait des beaux véhicules dehors, mais tout caché ce qu'on était en train de dire. Du coup, je sais pas, on part voir quoi là. Voilà. Bah maintenant, on va à Chambon-sur-Lignon, donc on va démarrer là-bas parce que justement, c'était une ville où il y a une histoire énorme. Sur les juifs pendant la guerre. Voilà, donc je pense que ça va être sympa. Moi je trouve ça superbe. C'est l'ancienne carrière de l'Ose. Yo, c'est baignade interdite donc tu te rends pas les pieds en fait. T'as vu, ils ont fait des gradins, ils doivent faire des spectacles. Ouais, je serais pas étonné. J'aime bien l'orchestre là et les gradins là. Ouais, on les voit au bord. Mais la pêche est interdite aussi. Vous avez pu voir le lac bleu, hein, qu'on cherche depuis 20 minutes et qu'on a enfin trouvé. Franchement, c'est magnifique. Après, je j'ai pas fait 36 000 prises de vue parce que finalement, c'est tu vois la même chose, quoi. Je mettrai peut-être des photos si les prises de vue font pas assez waouh. Wow.
franchement magnifique. Et du coup là on redescend pour aller pique-niquer. C'est quoi, c'est 13h30 peut-être, non, 13h15. Donc on va aller manger et puis après on va voir qu'est-ce qu'on va aller visiter, enfin regarder, voir. C'est tout con, mais du coup, vu que les gens peuvent pas se baigner ni pique-niquer, bah, le lac il est propre. C'est propre, les alentours sont propres. Et tu vois les poissons dans l'eau. Ouais, c'est, franchement c'est magnifique. C'est vraiment, c'est apaisant quoi. Tu restes 10 minutes là-bas, là, t'as l'impression que t'as passé une heure quoi. C'est, ouais, franchement trop beau. Donc le lac bleu, je sais, c'est, on est vers où d'ailleurs, je sais pas. Enfin, chercher sur internet, hein. Mais canon. Bon, après, si je trouve un truc plus de précision, je mettrai comme d'habitude le lien par ici. Ils iront bien regarder. Et Amélia la tracée, elle est tout devant. Bon, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vlog. Ça marronne derrière, donc je les laisse marronner. Du coup, on va voir les falaises de couleurs, non? Ouais, un truc comme ça, je sais plus exactement comment voilà, ça s'appelle. On a visité le musée des Juifs, je vous ai pas filmé parce que c'était beaucoup de lecture. Ouais, il y avait pas... C'est un peu trop d'histoire pour Clara. Encore, toi t'as lu? Moi j'ai rien lu du tout. J'ai eu quelques trucs, mais ça me fait beaucoup d'informations. Je suis pas très histoire, donc... Ça donne vraiment le crâne, tout ça. Ouais. Et donc, bah voilà. Là, on marche sur le... La route qui y mène, on va bien voir ce que c'est. Victime de la violence. Non, non, non. Je vais te casser la gueule. La tête de Clara. T'es prête? Ah, Dieu. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Tête qui tourne, vomit. Faire un petit peu plus de marche que prévu et c'est un peu plus dégagé. Mais c'est vrai que c'est beau, hein. Ouais, je veux bien. Quelle heure il est? 7h20. 7h20, on pique-nique. Je crois qu'on a une heure de chez moi. Ouais, on est pas loin de Brioude, donc... Donc on va manger, et après on va se rentrer, parce que moi j'ai encore une quiche à faire, des sablés bretons, le montage de ce vlog, blablabla. Encore, je pense qu'il va pas être très très chargé ce vlog. Ça m'arrange, parce qu'on rentre pas tôt. Pas grand chose. Puis moi je dois mettre celui à lire en ligne. Mais j'ai vu pique-niquer quoi? Oui, ouais. Bon appétit à nous. On a une petite visite. Va, va. Regarde. Tu veux ça? Regarde. Oh non, foutre, je veux bouffer moi. Ah ouais, j'adore. T'es trop mignon toi. Oh là oui. Les chiens, c'est vraiment tous les mêmes. Dès que de la bouffe, le cerveau déconnecte. Aucune reconnaissance. Vous êtes trop mignon, monsieur. Alors ça, c'est excellent. Il fait comme les gorilles. Prends-le moi en photo à l'horizontale comme ça pour que... Bah j'essaye mais... Non non, pour moi, papa. C'est pour ma miniature. Tu es trop chou. Qu'est-ce que tu fais, hein?
Et là, remarque, il est malin parce que s'il fait ça avec tous ses clones pique-niqués. Ouais. Ouais, ça va être un peu plus gros. Donc voilà, on a pique-niqué. Et on est sur le chemin, enfin on va aller sur le chemin du retour. Il est 19h50, je pense qu'on est à la maison pour 21h. Et en rentrant, j'ai ma quiche à faire, mes sablés comme je vous disais, pour demain. Bon les amis, je vous retrouve dans le cadre habituel de fin de vidéo depuis le début de ces summer vlogs. Il est 21h, on vient de rentrer. Amélie et mes parents vont rentrer chez eux là. Donc voilà, du coup, en résumé de cette journée, elle était plutôt longue, mais très agréable malgré tout, parce qu'on a vu plein de belles choses. Donc ce matin, on a voulu aller voir le musée de la Résistance, et en fait, on a fait demi-tour, parce qu'on s'est rendu compte que payer 5€ pour ce qu'on allait voir, c'était tout petit et pas... Bon bref, du coup, on s'est dit, laissez tomber. On n'était pas inspirés, donc on a passé chemin, donc on est allé au lac bleu. Comme vous avez pu le voir, bon, il fait un peu vert sur les photos vidéo, mais en vrai, il était bleu, et c'était magnifique. Un havre de paix, vraiment. On a marché, je sais pas, j'ai 20-25 minutes pour y aller. Donc on a pris plein de photos, on est resté 15-20 minutes et on a vraiment pris... Enfin, on était vraiment zen, donc c'était très chouette. Et après, on est donc allé pique-niquer. Et ensuite, tout l'après-midi, on a vu pas mal de petites choses. Entre autres, il y a eu le musée sur des juifs qu'on a vu, qui était sympa aussi, mais je vous ai pas vlogué, c'était beaucoup de lecture, donc c'était pas intéressant à vlogger, mais en tout cas très enrichissant. Même si, comme moi, je vous dis, un peu trop d'infos sur l'histoire et ça m'a un peu... Voilà, il y en avait trop dans ma tête, donc j'ai pas tout retenu. Donc voilà, moi, dès qu'il y a trop d'informations, je retiens pas. Enfin, je connaissais déjà quand même les bases, mais voilà. Ensuite, on est allé voir, du coup, ces espèces de grandes... Pas montagnes, pas dunes, je sais pas. C'était de la pierre de deux couleurs, donc c'était vraiment très joli, très sympa aussi. Mais il y a une grosse balade à faire là-bas, mais là, comme on avait déjà beaucoup marché hier, on va beaucoup marcher demain, on a essayé un petit peu de s'économiser aujourd'hui. Ensuite, on est reparti, il y avait des arbres un petit peu tordus à voir. Le problème, c'est qu'il y avait 2 heures de marche à faire et qu'il était déjà 18h, donc on s'est dit, on gardera ça pour une autre fois, mais je pense que ça sera sympa. Mais voilà, on a vu 2-3 petites choses, des églises, machin, sur le trajet, mais on a fait quand même beaucoup de voitures. Et donc du coup, ce soir, on a fait un petit pique-nique au bord d'un petit ruisseau, comme vous avez pu le voir, à Lavaudieu, je crois. Et après, du coup, on s'est rentré ici. Donc, journée sympa, j'ai pas grand-chose à vous mettre, il me semble, pas grand-chose à vous expliquer au niveau, parce qu'on a rien payé, en fait, enfin, hormis le musée des Juifs, mais c'était 5€ l'entrée, donc voilà. Sinon, rien de spécial à détailler pour aujourd'hui, j'ai pas de site à vous mettre, etc. Peut-être celui du lac bleu, je sais pas s'ils en ont un. Hein. S'ils en ont un, je vous le mets là. S'ils en ont pas, bah vous aurez pas. Et donc demain, on se retrouve pour une journée spéciale. C'est l'anniversaire de ma tata que vous avez dû voir très souvent en vlog. Enfin, très souvent en vlog, on vous a dit qu'on allait chez elle. Donc on y va voir mon tonton. Il nous amène au lac Pavin demain. Donc je pense que ça va être très sympa à faire de la randonnée, du pique-nique. Donc là, du coup, j'allais faire ma quiche, mes petits sablés pour demain, justement, pour le pique-nique. Après, je monte ce vlog et je vais me coucher parce que je suis rétamée. Donc je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé ce vlog et j'espère qu'il vous aura plu même si c'était un petit peu plus court je pense que les autres. Mais demain je vous promets du lourd avec beaucoup de prises de vue également, je pense qu'on va se régaler avec beaucoup de photos. Et ben merci de nous avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.